Bonsoir à tout le monde et bonsoir et bienvenue sur Sagesse Samedi. Non, moi c'est Ronald Steinfeld et comme d'habitude, nous allons continuer, comme pas comme d'habitude, bien entendu. C'est des promesses que moi t'ai fait, que nous allons continuer avec l'histoire d'Haïti, l'histoire divine d'Haïti. Histoire, c'est-à-dire que nous garder de perspective de Dieu. Eh bien, nous allons continuer à suivre avec la dixième partie. La dixième partie, c'est intéressant, mais en même temps que la intéressante, intéressant, c'est que comme histoire, n'a pas essayé de mettre les faits là devant nous, ou même moi font une décision sur ce qui a passé. Et je dis, il y a une chose que nous allons voir, c'est nous ne pouvons pas parler de lui tout à fait en profondeur, mais nous allons parler d'origine, histoire de Bois Caïman. Et ça fait la partie là. Ça, nous allons discuter. C'est parce que, bien entendu, jusqu'à présent, nous avons discuté de qui s'est passé vraiment dans la seconde partie du 18e siècle. Et nous t'es ouais en pile bagaille, nous t'es en pile bagaille qui commence à se développer. Nous t'es ouais que, par exemple, bon Dieu te permette qu'en pile acteur de la Révolution, t'es capable non seulement fait la période ça, et puis, moun qui t'a retiré, ou bien, c'est-à-dire que nous sommes les abolitionnistes, ok? Qui t'a aller pour abolir l'esclavage, moun sa yo qui te commence en Angleterre pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre, et puis qui te commence en France avec la Société des Amis des Noirs pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, eh bien, pendant que vous avez travaillé ensemble, vous êtes arrivé dans Pigou colonie française qui était les Saint-Domingue. Et Pigou colonie française, son colonie qui était non seulement une colonie française, mais que Dieu anglais était sous tout, bien entendu. Et c'est Saint-Domingue qui Haïti aujourd'hui. Bon, eh bien, nous pourrions rentrer là-dedans, mais avant d'entrer là-dedans, bien entendu, nous pourrions devant le Seigneur pour nous demander la direction. Seigneur, nous venons devant, nous disons merci de ce que vous te permettez que nous sommes capables d'arriver dans le moment ça à côté, nous pourrions parler de Haïti, nation que vous te faites. Et que vous te mettez groupe Mounsa, que vous mettez là-dedans, vous te mettez là-dedans, vous te faites nation avec groupe Mounsa, anciens esclaves, et anciens libres, etc. Eh bien, nous venons devant, Seigneur, pour histoire, ça que nous avons là, ce n'est pas nous-mêmes qui juste mettez les, mais nous raconter des faits que nous-mêmes, vous êtes derrière vous pendant que vous avez passé. Que cet esprit, Seigneur, dirige nous dans le moment ça, non seulement dirige nous pour me délivrer ça, pour me faire livraison de ça, ou t'es bon moyen, mais pour tout le monde qui a gardé, pour être capable, yo même tout, yo imbu et des faits, yo imbu de la vérité, et que yo prenne pour ça, ou même ou t'es voulu que yo prenne. Et puis yo capable de comprendre tout, qui est-ce que yo comme haïtien, et qui ça pour faire comme chrétien, et, ou bien comme monde qui aime le bon Dieu, qui croit en bon Dieu, qui croit en Jésus. Eh bien, demandons par Saint-Esprit que tout ça accomplit au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonsoir encore et bienvenue. Bienvenue sur Sagesse Samedi. Et nous l'en dixième partie, ok? Nous l'en dixième partie de ça. Et j'en m'étais déjà introduit, vous. C'est que la dernière fois que nous t'es ouais, nous t'as parlé de. Il y a un plus gros événement arrivé, vraiment, dit, dans le monde qui était chaviré en pile bagaille, qui était fait en pile bagaille différent, c'était la Révolution française de 1789. Le 14 juillet 1789, eh bien, ça a été joint, ou été joint que il y avait la prise de la Bastille. Et puis avec la prise de la Bastille, où tu es commencé, ouais, que royauté a perdu force, et c'était commencement tout diminution de royauté. En même temps, tout vague révolutionnaire, ça, tu as porté non seulement en République en France, mais l'été atteindre tout, toute colonie française, et principalement la première colonie française qui était Saint-Domingue, que nous, elle est Haïti. OK? Pas j'oublie ça, que. Pendant que nous avons discuté de tout le bagage, il était très important que nous comprenions que colonie française, je dis à nous gagner par exemple les États-Unis, qui étaient une ancienne colonie anglaise, son ancienne colonie anglaise que le et les États-Unis, c'était l'une des plus importantes colonies que anglais ont gagné, je dis la plus importante, l'une des plus importantes, parce que ils ont commencé à développer un pile colonie. Et partout ailleurs.
Eh bien, dans l'Amérique, c'est li yo te gen comme plus importante. Eh bien, effectivement, ça te vin passé dans les années 1770. Yo, eh bien, te gen révolution qui te éclaté en Amérique. Et puis, les États-Unis vin prendre indépendance li le 4 juillet 1776. C'est date de l'indépendance là, que yo gen, que yo célébré. Pendant que tu as célébré 4 juillet 1776, ok, tu as célébré 4 juillet comme indépendance, et la France toujours célébré 14 juillet les mêmes comme pigo fête que tu gagnes. Pendant ce temps, nous-mêmes, c'est 1er janvier 1804 que, bon Dieu, tu as indépendance nous. Eh bien, nous célébrons 1er janvier, belle fête tout, même genre tout le monde ça a offert. Eh bien, je dis à. Nous prenons un événement qui était très important tout, n'est qu'à dire l'entournure de qui ça t'appelle Vini menait à Haïti le moment de dépendance. Bien entendu, parti ça que nous prenons, t'aimes du bien d'avance pour préparer tête pour lui, parce que c'est un parti l'histoire nous qui prêtait à un pile controverse. Qui ça me l'a dit prêtait à un pile controverse. Eh bien, on a parlé de cérémonie du bois caïman. Ou après que, par exemple, en pile l'encre gaspillé sous lui. On dit gaspillé parce que vraiment, il y a un pile l'encre qui est écrit sur le bois caïman. Et nous demandons pour qui ça. Parce que son événement, l'on a bien gardé dans l'histoire. Et nous lit en pile livre d'histoire. En pile livre d'histoire, pas même mentionné le même. OK? Faut nous dire ça d'abord. En pile livre d'histoire, pas même mentionné événement que nous relé bois caïman. Mais on peut rejoindre que il y a quelques livres d'histoire qui bien entendu pral mentionner li. Et vraiment si on que ou joindre ou t'es capable joindre une mention du tout de li jusqu'à ce que nous rivé t'es qu'a dit. Et bon, il y a un monde qui était que peut-être tu qu'a parler de lui, c'est lui Audouin, vous comprenez? Et il y a un frère Audouin, tu as Bobouin Audouin, tu as Céline Audouin. Les frères Audouin étaient tous deux des historiens. Peut-être que ils ont même mentionné lui ou gagné tout. On sait de Français qui t'ont mentionné lui. Mais majorité français qui t'est mentionné le plus souvent c'est pas pour un bon c'est pas n'te ka di c'était pas un bon essaim y a pas de bon but pour te faire li au contraire youn la côté nous joine que cérémonie ça mentionné n'te ka di plus bonheur c'est un français qui t'est relé Dalmas et qui 2 ans après et révolution ça a été commencé. OK, 2 ans après le cérémonie après l'insurrection, Peter Mellel comme ça, 2 ans après l'insurrection, lui même il était en chapé pour lui là aux États-Unis et de aux États-Unis il écrit sous lui dans les années 1793, 1794, ça veut dire 2 ans ou 3 ans après que le devine passé et il vient publier un livre sous lui en 1814, qui fait que c'est 23 ans après l'événement mentionnel. Même te ka dit à peu près 20 ans après que le fin écrit, et le sal publié. Parce que li pas de nécessité pour le publier l'avant. Et le te publié le tout, c'est pas même l'intention, c'est-à-dire pour le parler de cérémonie de bois caïman, mais c'est pour te montrer Jean Neg, Tineg en Afrique, Tineg tête graine qui était esclave, Jean Yoté. C'est un paquet monde qui était superstitieux auquel il était besoin parler mal de africains comme des peuples superstitieux mais li, et c'est lui-même qui ba m'te ka dit on récit qui était ka plus détaillé de ça qui t'est passé et l'autre des récits ça que monsieur ba là et bien entendu. Wait a minute. Est-ce que vraiment moun ki écrit histoire yo vraiment yo écrit li l'argent ou même pour te accepter li? Bon,
Eh bien, faut me dire tout que histoire bois caïman, il pas de vin l'hypote covine célèbre jusqu'à ce que ou t'ai gagné un historien qui était un diplomate tout que nous t'ai Dantès Bellegarde qui en 1953 décidé il prend fond publication et puis il prend bail bel détail de bois caïman. Mais imaginons 1953 événement passé en 1791 et c'est de là étant nous prend vraiment mettions en phase sur le bois caïman, sur la cérémonie du bois caïman, en phase qui pas jamais été avant ni par les historiens d'avant et puis on en phase qui pas là vraiment qui pour montrer que c'est vraiment c'est que c'est événement ça qui était vraiment mettait en catalyse la révolution et bien nous voyons ça bien entendu. OK, et ça fait me dire soit garder segment ça m'pata aimer ou garder avec trop émotion m'pata aimer ou garder Jean Poulière et puis c'est-à-dire sous besoin référence livre m'a bon référence livre parce que ou gen doit regarder livre gen livre qui sur internet là gen livre qui pas sur internet là et gen livre c'est acheter mon obligé acheter mais attendez et li, ou ka joindre livre ça sur internet là quelque là d'ailleurs. OK, une historien que besoin c'est Dalmas. OK, monsieur Dalmas qui est un historien français, il a écrit un livre qui écrit qui est l'histoire de la révolution de Saint-Domingue. Histoire de la révolution de Saint-Domingue, il écrit en 1814. Et c'est là m'bral bon on récit par exemple que monsieur ça fait et ça fait monsieur important pour nous, c'est parce que lui-même rassemblé ou qu'on est historien j'ai fait yo investigué yo même gens avec des journalistes que yo a posé question et monsieur ça t'a fait le événement t'est fin passé et que kounye a là l'assemblée du Cap, l'assemblée provinciale, l'assemblée l'assemblée provinciale, mais l'assemblée provinciale du Cap, parce que la province du Nord avait une assemblée de par elle-même qui était plus ou moins séparée de non seulement l'assemblée générale qui était pour tous les trois provinciaux, mais tout de l'assemblée de l'Ouest et l'assemblée du Sud. L'assemblée provinciale du Nord l'a fait enquête, il était questionné plusieurs noirs qui est plusieurs esclaves noirs qui était soi-disant au courant ou bien qui était participé dans l'insurrection. Et c'est de là étant monsieur lui-même il prend information et puis là le Lincoln plus monde là investiguer là fait investigation et puis pour chercher connaître plus ça t'est passé pour là fouiller et c'est ça fait nous capable faire ça monsieur et parler en confiance plus monsieur c'est ton source que le tout pour ce qui vient après yo. Et l'homme dit qu'est-ce qui vient après t'es mentionné par exemple un premier historien haïtien pas t'es dit historien même monsieur c'est ton politicien haïtien que le tout qui était vraiment mentionné ça monsieur t'es allé Erard Dumel dans son ouvrage qui s'appelle Voyage dans le nord d'Haïti, que monsieur écrit en 1824. OK? Songez bien, ouvrage Dalmas là, il est publié en 1814, mais monsieur fait 20 ans après ce livre. Et pendant ce temps, où gagne Erard Dumel était fait en 1784. Autrement dit, Erard Dumel était 7 ans le et cérémonie bois caïman avec injection t'a passé. Il était 7 ans, il pas songé tout événement yo et puis pas de gain Google, pas de gain Twitter, pas de gain YouTube pour le garder. Par conséquent, il était obligé, c'est ça l'attendait ou on ban les accepter mais pas de gain investigation t'a fait. Monsieur, c'est 33 ans plus tard. OK, que monsieur Vinwell nécessaire pour écrire un bagage sous lui et puis il commençait à investiguer même gens avec Dalmas pour demander quelques monde. Par conséquent, récit que monsieur fait et il pas même sorti comme un récit parce que monsieur Vin réalisait que le prend récit que il prend de Monio que le questionner
récit vient tellement entremêlé que monsieur pas même qu'a écrit dès qu'a dit on fait historique il vient faire tourner en sorte de poème côté bagala vient en sorte de bagage idyllique et puis il écrit de lui et puis il ajouté quelques bagages bien entendu tout le monde qui well ouais que OK ça qui a gagné addition la donne mais on joindre bagage monsieur dans le voyage dans le nord d'Haïti c'est livre monsieur à ça que l'écrit en 1824 et mais Dalmas lui-même c'est-à-dire qui vraiment source bagala parce que c'est de Dalmas que on prend pour yo vraiment vin parler plus de événement ça parce que gen pile l'autre historien qui était écrit l'époque là mais historien ça yo pas même mentionné Boakaman yo juste mentionné que te gen insurrection et que te gen pile côté tab boulé yo pour même c'est-à-dire peut-être que yo pas de connait assez fait et puis yo pas de besoin connait tout vous comprenez et parce que majorité là dedans c'est ou bien blanc ou bien mulat que te et puis a écrit et puis yo juste écrit ça yo te gagné yo te al fait investigation en France yo fait investigation auprès et des gens de l'armée et bien entendu yo te capable de joindre des indigènes pour et poser question ça bon et en entendant ça Dalmas te gagné pour le dire Dalmas dit comme ça et bien c'était l'an 20 août 1791 que révolte noire yo te éclaté sur une habitation qui était les habitations de monsieur de Galifet. OK, c'est information ça le bail. Et habitation enterré les Lagossette. OK, à l'époque ça, chaque monde qui a habitation yo, il était fermé parce que habitation songez bien, il était gain non seulement et caille côté colon yo était avec famille yo, tu gain c'est de petit caille côté domestique yo était et puis tu gain sucrier et puis plantation de sucre yo et puis les sucriers barrel sa usine yo qui pour faire sucre et puis grill div etc. tu gain toute bagaille là. Par conséquent, habitation était large et puis était ba yo non habitation ça était les Lagossette et puis son habitation de certains monsieur Galifet. Monsieur Galifet était gagné un gérant blanc qui était relé monsieur de Mossu, OK? Monsieur de Mossu. Eh bien, était gagné un nègre qui était ancien parce que lors ils vont certain âge, ils ont pas fait esclave ça au travail encore. Eh bien, était gagné un esclave qui monsieur était grand menacé, monsieur était relé Ignace. OK, Ignace. Eh bien, ça monsieur fait. Monsieur décidé que yo pral font conspiration. OK, yo pral font conspiration et puis conspiration commencé depuis 14 août l'an yon côté qui était le Normand de Mézy, l'autre habitation qui était le Normand de Mézy sous en zone qui est les Monts Rouges et c'est là où était fait premier n'était qu'à dire rassemblement côté rassemblement était seulement rassemblé chef yo pour décider de ça pour le passé et monsieur était décidé faire un gros bagage mais thème qui était monsieur parler pour parce que tenez bien monsieur était gain avec lui dans le ça on nèg libre mais nèg libre ça était participé dans ça OG à Chavanne était à faire dans ça où j'ai acheté de faire Neglipsa a été participé là-dedans et c'est Neglipsa qui vient avec ancien esclave ça qui est retraité et puis esclave là ancien esclave Ignace c'est lui même qui a parlé Kounia attendez ça le dit lui dit le moment de la vengeance approche OK t'aime pour tout traduire en créole lui dit moment vengeance là approché demain attendez bien il a fait discours le 20 août. Il dit demain, ça veut dire dans 21 août, mais il dit dans la nuit, ça veut dire que dans la nuit du 21 au 22 août. Il dit demain, dans la nuit, tous les blancs doivent être exterminés. Vous entendez? Il dit tout blanc, tuer tout blanc net. Vous entendez bien? Alors, mais le leader de révolution, c'est Ignace qui dit ça. Tout blanc supposé exterminé. Et puis, nous comptons sous promesse avec influence. Et puis, il a parlé avec Neglib qui était là. Il dit, attendez, monsieur Mossu, c'est lui-même qui est en premier. OK?
cap mourir. Monsieur Mosuya, c'est les mêmes. Attendez, oui. Son habitation après assemblée. Hein. Monsieur Mosuya, c'est les mêmes qui était gérant habitation. Il dit Monsieur Mosuya lui-même qui va mourir en premier. Et puis, attendez bien, il dit c'est en bas coup Bies. C'est-à-dire, Bies a son lot et noir qui était là, on l'a des qui était là. Il dit excité par toi qu'il doit tomber. Ça veut dire que nous tous les deux, hein, Nib qui était là, qui était participé là en bagarre OG avec Chavan, non? Et puis ni l'autre esclave qui était là, ok, ni l'autre chef qui était là, parce que esclaveur, mais on était dit en leadership, ok. Mais fois ça, il peut aller rentrer, il peut aller faire, il peut aller craser, briser net, ok. Il dit pas gain délai encore, pas gain peur encore, ok, parce que le ça qui rivière pas gain aucun refuge pour nous encore, pas gain espoir pour sauver aucun blanc, yo tout doit subir même soa. Tendez, il dit si gagnen là-dedans yo qui pas mouri en bas pont à nous, eh bien yo pas échapper à activité du fait que nous pral mettre qui pour réduire pleinement ensemble. Il a parlé de la plaine du Nord. So, ça veut dire, mais qui ça a fait? Yo dit, yo pral monter en force, yo pral craser, tuer tout blanc, et si yo pas réussi tuer assez blanc, eh bien, du feu que a mette a, a fait reste là pour yo. Eh bien, c'était Ignace qui t'a parlé. Eh bien, tendez bien ça. Il fait, ça c'est, songez bien, c'est Dalmas, l'historien. OK, qu'a raconté ça. Lisez bien qui ça yo fait. Depuis le 14 août là avant que même yo te fait ça, yo te célébré en sorte de fête ou bien sacrifice. Et puis sacrifice ça te fait là un terrain te gen pile bois et qui pas cultivé, qui te là une habitation qui te relé habitation choiseul. Habitation choiseul ça te relé le caïman et peut-être ça nous relé côté à le bois caïman. Les habitations ça te relé caïman ou t'as des moun par exemple qui kanap di que c'est pas bois caïman yo te vle di c'était bo caïman bon tout bagay sa ouais que c'est problème que yo vinn bay la histoire là parce que même moun qui était là a détaillé histoire là ba nous n'a parlé de un témoin oculaire, OK, témoin oculaire ça a dit que habitation c'est un terrain boisé té là, ça veut dire té grand pile bois sur terrain, hein? Et puis il té relé habitation choiseul, mais yo té bal tinon le caïman et c'est là nèg té kan réuni en très grand nombre. Cela veut dire son côté té kan réuni déjà, c'est comme si c'est ton l'église té, OK, bon m'té ka di on péristyle parce que c'est bagay vodou té kan fè là. Et puis le kounia là, comme qu'on n'a pas qu'à faire différence entre l'église avec péristyle, excusez-moi, mais c'est son réalité. Eh bien, le qu'on a eu réuni, il a dit au prend un cochon qui était entièrement noir, et puis il a entouré cochon de fétiches, et puis il a mis un paquet d'offrandes à terre, un paquet d'offrandes qui était bizarre, monsieur dit, bizarre, et ça le dit. Parce que semble le monsieur a parlé et puis a dit non c'est de bali quand même quand nous même sur le mettait que offrande était bizarre et bien entendu il me continue à parler c'est l'historien français Dalmas qui parle et qui écrit l'histoire de la révolution de Saint-Domingue et puis il dit yo fait holocauste ça veut dire yo tuer cochon hein? Et puis yo offrir au génie tout puissant de la race noire yo offrir au génie tout puissant de la race noire. Bon, cérémonie religieuse ça que t'as fait. Attendez bien, monsieur. Alors, et là, monsieur vient négatif qui fait que peut-être il y a pas mentionné monsieur dans l'histoire. Même haïtien même pas voulu mentionner monsieur parce que monsieur dit cérémonie religieuse ça que nèg ça t'as fait. Lui montrer qui Jean nèg c'est un bête qui superstitieux. Il a dit bête non, ben qui Jean nèg vraiment superstitieux. Qui Jean nèg africain ou superstitieux. Et il te raconte histoire là juste pour te ka montrer superstition en genre pousser parce que pour lui-même toute bagaille ça yo ka fait yo absurde. Et bien c'est ça nous gain avec cérémonie bois caïman que nous t'en parlé.
Au seul bagay, monsieur continue à ba histoire là. Et la continuation de histoire là que monsieur a ba là, attendez bien. Monsieur Tevin dit comme ça que, bien entendu, pendant histoire ça a ba, monsieur dit que il a commencé vraiment avec Jean Ignace Tepalea. Ignace dit c'est là il a commencé, il dit que c'est monsieur de Mossu que il a tué avant l'habitation côté Otéa qui était relé l'habitation la Gossette, OK, qui était vraiment était l'habitation ça était là en petite anse. Il était dans petite anse. Et c'est faut montrer ma fonti montrer carte là bien parce que me pensais que faut avoir une très bonne idée de qui ça monsieur a parlé parce que si ou pas gain idée vraiment et ou capable ka ouais ça n'a parlé à et bien te mettre là pour ka gain une meilleure idée de ça qu'a parlé à OK OK, pour ça gon meilleure idée de ce qu'a parlé. Eh bien, ça ou elle a kounia là que m'a montré là, OK, ou même qu'a regardé, regardez bien oui, OK. Eh bien, c'est le cap haïtien sous regardé là, OK, ou ka wè que te montré ou excusez-moi. OK. Ah, sous regardé là, ouais, ça c'est le cap haïtien qui là, OK, mais ville là. Eh bien, petit ans là son commune de Cap que le dé là en zone nan là, OK, on côté comme ça. OK. Et puis kounia là, attendez bien oui. C'est là yo commencé bagay ça, c'est là la Gossette la téye habitation de monsieur Galifère. Eh bien, yo allé yo attaquer monsieur de Mossu. Eh bien, yo rentré et yo bay monsieur premier monde qui attaqué là avant, j'en t'ai dit. Yo bay monsieur deux coups de manchette mais manchette là pas touyé monsieur monsieur couri kounia pendant monsieur blessé là il prend yon lance et puis à l'instant il commencer à défendre tête li et puis dans défendre tête li monsieur tellement défendre tête li malgré le blessé a et bien moun qui était pour venir tuer monsieur yo couri mais pendant y a couri quand même yo commencer mettre du feu l'en côté ETA mais yo pas tué monsieur Jean Plan t'es supposé fait là et à partir de la kounia monsieur commencer mobiliser moun qui en dedans et puis il commence à mobiliser et voyer à chercher l'autre voisin parce que on est habitation qu'on séparé de tellement de distance et bien il commence kounia là à avertir on sait de monde mais pendant à avertir on sait de monde du feu même à prend pirade il pas qu'à être du feu parce que plan pour du feu à même c'est semblé c'est pire bon plan t'es gagné et bien du feu commence à bouler malgré que il pas été en fait tout de ka di tuerie que te di ou te pral faire mais du feu commence à bouler et tendez bien mais ça te pral plus intéressant dans l'histoire là c'est que pendant yo commencé yo même là petit ans et bien là à Cul du Nord yo dit que gagnon groupe cap venir côté du feu à ta bouler pirade et groupe ça c'est les mêmes qui t'a venir avec on leader qui te relé Bookman OK on leader qui était le Bookman. Cela veut dire que Bookman pas même la même région avec Ignace côté LTA. OK? Mais bien entendu, nous pas qu'à vérifier en pile bagaille et seul bagaille que Jean Dalmas dit nous histoire cérémonie. Cette cérémonie était faite 6 jours avant. Mais 6 jours avant, il se pourrait que Bookman était en cérémonie ensemble avec Ignace, ensemble avec Recio, parce que Bookman c'est un leader incontesté de mouvement ça qui tape là, parce que c'est Bookman qui était pire, n'te qu'a dit, sauvage là, mouvement. Et puis après ça, semble qu'il y a un récit qui vient dire que avec Bookman te gen quelques lieutenants. Lieutenant en Bali et lieutenant qui était en Bali yo, et toi là d'ailleurs pour nous ta essayer connaît bien c'est que c'est et Biassou Georges Biassou Jean-François Papillon et Jeannot te relé Jeannot Bullet mais il était toujours relé là avec non Jeannot sans pas dit Bullet OK Bullet c'est li écrit presque même j'ont t'a dit Bullet soit écrit anglais OK, Bullet.
Eh bien, c'est comme ça nous venons garder nous que insurrection commencé prend. Et mais il y a une bagaille qui fait que m'te ka dit insurrection vient droit, c'est parce que d'après l'histoire que nous gagnons que des récits élaborés de qui ça Bookman t'a fait, etc., qui prière Bookman t'a dit, et même prière Bookman t'a dit, son prière que dit que c'est un Français qui en 1818 t'a élaboré en prière pour montrer que j'en ai été rejeté vraiment le Dieu des Français, parce que monsieur lui-même. Et c'est une sorte de français libéral que le était, et que l'idée voulait montrer que abolition de l'esclavage là était important, mais puisque il était rangé col du côté des noirs parce qu'il était fait partie de la société des amis des noirs, eh bien il était parlé que Bookman était écrit en bagarre, mais c'est lui-même qui écrit et puis il vient attribuer à Bookman après. Bien entendu, et il y a bon plus détails sur ça. Mais te ka bon nom moun nan tou, yo relèl Antoine Métral. Antoine Métral, monsieur te écrit un livre en 1818 qui est l'histoire de l'insurrection des esclaves dans le nord de ce domaine. Et c'est monsieur te venu en premier avec Prier Bookman nan, et qui te fait que Prier Bookman nan te venu rentrer kounye a la la partie historique, mais pas gen aucune source indépendante qui te ka dit que vraiment Bookman te font prière, parce que majorité événement qui te gagnent qui attaché avec Ndekadi cérémonie bois caïmano, c'est on sait de Ndekadi son série de récits des récits oraux que on série de récits oraux, ça veut dire qu'il fait de bouche en bouche et puis qui t'a parlé et puis il vient monter qu'on a le sens de légende côté qu'on a on sait de bagarre pas écrit ou ajouter jusqu'à ce que mais je dis si on m'en a parlé qui ça vraiment qui t'a commencé révolution haïtienne, il y a bien entendu c'est la cérémonie du bois caïman. Et pourtant d'après l'histoire qui est écrite, il était commencé en insurrection. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire des idées. Vous comprenez, cérémonie, bois caïman, c'est pas vrai, mais personne ne connaît exactement tout détail. Ok, nous juste connaît que t'es un cochon qui t'a tué vraiment. Cochon, t'es noir, effectivement. Et que y'a t'es bois sans cochon, effectivement. Et que yo sorti mais il pas fait en même temps. OK, révolution commencé à peu près une semaine plus tard, effectivement. Ouais, tout bagage ça c'est effectivement, mais révolution a commencé, gardez bien, par le temps que révolution a commencé, tenez bien qui était leader révolution. Bookman était leader de la révolution. Qui est-ce qui était en Bali? C'était Georges Biassou, Jean-François Papillon et Jeannot Bullet. Et mais tem ba nou on courte histoire de trois moun sa yo qui t'ai commencé révolution ça, première révolution haïtienne là, m capable relé les première révolution haïtienne, parce que Georges Biassou lui-même, tendez bien, monsieur Sonnet qui était un fétiche en pile, il était un et bagaille mystique. Bien entendu, il était allié en bas Bookman, c'est bien entendu c'est pour te profiter de qui ça peut le faire, parce que si gon belle révolution peut le faire et pour gon leader qui dit nous peut le tuer tout blanc pour eux même l'entête yo tout blanc déjà mouri et pourtant blanc levé et puis blanc écrasé Bookman avec noir qui te révolté yo. Et bien faut m'expliquer qui ça te passé le kounia, attendez, oui, le kounia du feu commence à mettre belle du feu, parce que yo dit même un tiers de plantation yo commence à brûler et la fumée même vin paraître, attendez, oui, en Jamaïque. Et en Jamaïque, qui est-ce qui était là? C'était les Anglais. Bon, pendant que Anglais eux-mêmes yo Jamaïque yo ouais difficulté ça, yo couri voyer quelques bateaux, parce que yo getan décidé, yo dit si gagnon insurrection d'esclaves dans ce domaine, n'a meté kon noir français pour retirer insurrection ça, de façon pour insurrection esclave ça
pas atteindre par nous. Imaginez, anglais qui était ennemi français, yo décidé yo pral mettre yo en français pour yo capable craser révolution. Mais songez bien, anglais yo pas ennemi tout français. Yo était ennemi seulement de la royauté et les gens de la royauté. Mais puisque te vinn gagner kouni à la révolution française, à partir de la révolution française, anglais yo te commencé kouni à la vinn gagner yo vinn gagner appui de planteurs yo les colons blancs, parce que colons blancs ont besoin d'indépendance de la France. Ils ont besoin eux-mêmes d'être à part. Ils ont besoin de faire même gens avec les États-Unis, t'es fait de l'Angleterre. Même gens les États-Unis t'es prend indépendance de l'Angleterre. Et mais ils ont même voyé on contingent de quelques soldats sous la direction du comte d'Estaing. Charles Hector d'Estaing et pouté à la bataille dans la révolution anglaise de façon pour être capable de participer. Et c'est de là nous gagnons, par exemple, Haïtiens qui nous dit nous tellement fiers que nous te voyons Haïtiens à la bataille dans la révolution américaine à Savannah en Georgia. Et jusqu'à présent, je dis, soit les Savannah, Georgia, gagnons un monument qui est érigé aux chasseurs de ces domaines. Mais chasseurs de ces domaines, c'est que là, qui étaient organisés avec les nobles de France. Et mais sont ces deux mondes qui étaient besoin de la liberté. Ils étaient besoin de la liberté en France, tout malgré qu'ils étaient nobles, mais ils étaient associés avec des colons de Saint-Domingue pour mener la liberté. Et ils ont gagné Lafayette était à la bataille, mais Lafayette n'a pas déjà venu à Saint-Domingue, il était à faire va-et-vient entre l'Amérique et la France. Ok? Eh bien, c'est l'ensemble ça, anglais, ou même le ouais du feu, ça prend, ils viennent qu'on y a porté secours aux colons. OK, bon, yo vinn pote secours aux colons, ça c'est mon parti, mais gagnent tout, attendez, les mulâtres et les noirs libres. Mulâtres avec noirs libres, yo gagnent pile là-dedans, ils ont commencé à enrichir et puis ils ont gagné terre, ils ont gagné esclaves, etc. Eh bien le coup ça a frappé, le frappé tellement fort et puis a perdu fortune yo, gagnent là-dedans tellement fâché de ça arrivé à, parce que songez bien, c'est yo te bay zam et te gagne même on nèg libre qui t'est participé à l'embagaye au GH Havana qui t'est rentré en mitan moun sa yo qui t'est fait insurrection. Qu'on y a quelques mulâtres avec noirs libres, ils ont demandé aux colons blancs permission pour prendre les armes, et permission pour demander parce qu'ils n'ont pas de café comme ça à plein gré. Ok? Eh bien, ils ont demandé permission pour prendre les armes, et puis ils ont même tout été formés en milice qui marchait à tout blanc pour craser les esclaves. Imaginez la confusion, ça, c'est seul du feu pour mettre qui prêtait pour créer confusion parce que on vient gagner les noirs libres qu'on y a qu'à battre contre noirs esclaves à cause de propriété que ont perdu. Bagarre était un peu compliqué. Il pas de facile. Et c'est à partir de là on vient joindre que tu gagne une force qui tellement grande qui levait contre esclavio et bien il était mettait insurrection à terre. Le mettait insurrection à terre parce que eux-mêmes ils étaient bien entraînés, ils étaient gain armes, ils étaient des milices qui étaient bien entraînées, etc. Le mettait insurrection à terre, coupé tête Bookman, il a jugé Bookman en septembre 1791, il a et le ça il a exécuté Bookman. Et bien ça t'a passé tout. Lieutenant qui était en bas Bookman, yo même yo dit ne t'es pas tout blanc t'as pas le mourir, nous penser bagarre yo t'es bon comme ça, il pas bon vrai en chapper pour nous. Et puis c'est pendant ça que ouais que Biassou, Jean-François et Jeannot yo même yo jeté koyo la République Dominicaine. Et il semble-t-il que tellement t'es gain pile noir qui était vraiment et penser que bagarre ça t'as pas le plan, t'es gain même Dessalines qui était rentré dans le mouvement tout. Dessalines était entré dans le mouvement, mais il était entré dans l'armée et Jean-François. Et Jean-François, qui est même qui était ancien esclave de un certain Papillon, et puis il était là Jean-François Papillon. Jean-François Papillon, le monsieur a jeté Koyo dans la partie espagnole. Partie espagnole là trois contents pour te weyo parce que français ont été quelque temps côté y a pédé attaqué pour prendre reste l'île là la main yo. Par conséquent le groupe noir ça yo vinn tomber sous espagnol yo pour eux même yo mettait la main en tête, yo mettait main en l'air,
yo pensé ici là de voyer ba yo. Par conséquent, yo commencé kounia la bay monsieur yo place là en dedans armée yo et puis c'est comme ça et monsieur Biasou yo avec Jean-François Vapien avec Janou yo commencé kounia monter en grade dans l'armée espagnole et puis pour y a bataille avec français yo. Mais face à yo même qui ça vinn gagner, yo vinn gagner le fait que kounia puisque espagnol yo a bay yo grade, a bay yo l'argent etc. Pour eux même bon tout bagage est fini, vous comprenez, pas une question de tuer tout blanc encore parce que kounia là y a bien mené et puis groupe noir que tu gagne avec yo qui était les marron et quelques marron qui était avec yo a yo tout mené yo l'armée à tout et puis yo vinn gon armée noire que kounia là la partie espagnole vinn relé armée ça yo les auxiliaires noirs si yo te bayon non pour yo te ça kembe yo à part mais yo te paye yo comme on armée régulière bien que yo même yo pas à l'école yo pas fan yo pas à l'école militaire rien yo ba yo grade parce que yo connaît de pour bayon noir ou comprendre au ballon bel uniforme bay ça yo négla bien campé et puis l'enfant ou prendre li satisfait de pour bal ti l'argent li et puis ou bal uniforme ou bal pouvoir ou bal bal bon li enfant bon et ben te gen youn nan moun sa yo qui était un peu drôle qui était le Jano ça te passé Jano a monsieur tellement te développon méchant c'est la caille li et yo te vinn wè que monsieur vinn tourner un problème pour yo parce que problème que le vinn tourner pour yo c'est que yo pas de café monsieur yo confiance parce que yo te paraît trop brutal Jano a son nèg monsieur et monsieur nous pas gen ti moun qui comprennent créole bon côté nous hein avant me parler ça ou on bon et font ti tande lou même à pas avant ou fait le temps de le comprendre ni OK bon ti temps pour ça et ben kounia te mzou Jano a son nèg l'a coupé cou on nèg et puis pendant sang a coulé li lagué main li prend deux mains li mettait en bassin et puis il prend sang li commence à mettre dans toute figure li boit là-dedans et puis li dit wou regardez gens semblant bon et puis te gen même on prisonnier monsieur te connait yo te gen pile vinn prisonnier blanc yo avec yo et bien gen yon nan prisonnier yo monsieur te rele go et puis monsieur pendant monsieur dit men Jano ça c'est chaque 24 heures temps monsieur Rallon blanc pour le faire tuer de façon atroce il fait torturer blanc et puis il tuer bon bien entendu on a dit que monsieur t'a prend vengeance li parce que tellement blanc t'a torturé noir qu'il y a le noir torturé blanc son l'autre affaire vous comprenez et bien ne pas aimer torture des deux côtés mais semblé Jano monsieur t'est poussé bagaille tellement grave et bien oui vont leur côté Jean-François Paret et bien ça t'est sauvé gros qui fait que il t'est qu'a écrit sous lui parce que monsieur t'est grand journal l'a écrit et qu'un bon til en carré complu mon côté et puis l'a écrit et bien c'est là qui ça fait monsieur vienne sauver pour nous capable comprendre qu'on histoire ça de monsieur et bien c'est parce que on le Jean-François Paret sauté sur Jano et puis il mettez monsieur en bas code et puis là au fin mettez monsieur en bas code qu'on y a au fond jugement sommaire pour monsieur et puis au exécuter le sommairement ça veut dire yo retirer souffle l'an monsieur voyer l'an pays sans chapeau parce que yo dit monsieur t'es trop méchant et malgré yo dit monsieur t'es trop méchant yo même tout c'est pas de pitié yo t'a fait l'an ça yo t'a fait parce que bien entendu yo continue à faire ça à faire et puis à bataille l'an parti espagnol yo et espagnol yo ils vont là yo pas de cas dire rien parce que monsieur yo gen doit paraître yo massacre un groupe blanc français on côté yo pensé à faire espagnol yo plaisir pour espagnol là on est blanc regardez yo obtu l'autre blanc c'est pas comme ça qui yo garder là et puis yo vinn kounia commencer monsieur mettez monsieur de côté parce que kounia l'autre blanc a regardé yo ouais que espagnol yo pas dit rien le noir yo a foncé de atrocité kounia yo vinn dit que espagnol yo c'est eux même qui yo ba espace pour noir yo fait ça pour yo faire le espagnol yo garder ça vous comprenez yo ouais il a sorti en dehors de la civilisation avec on équipe noire surtout avec Jean-François et Biasou parce que Jean-François te mettait tête lui même c'est lui même qui te vinn pi chef mais Biasou te mettait tête lui chef tout mais pendant tout ça va passer forme du tout que Toussaint l'ouverture qui était on l'autre et qui c'est-à-dire et on l'autre monde que nous pas parler de lui tout pendant que Dessalines lui-même était en bas et Jean-François Papillon et bien Toussaint depuis même année 1991 ans le événement il a fait il pas là-dedans il a participé là-dedans ça monsieur t'a fait monsieur t'a essayé pour voir s'il qu'a protéger habitation
côté ancien maître Léolde, parce qu'il n'est pas esclave encore. Et puis, il a essayé de protéger une série d'habitations de quelques voisins autour de lui qu'il était apprécié. Et jusqu'à ce qu'il était prêt, mettez-le dans un bateau, pour prendre toute fortune qu'il a gagnée, et puis aller aux États-Unis. Tout ça, c'est ça, il a tapé des faits lui-même. Mais, en même temps, tout, lui, là, pour esclavio, et puis il a parlé en faveur de esclavio pour dire que nous pas besoin d'esclavage encore. En fait, il y a une bagaille que peut-être haïtien pas même connaît, c'est que tout ça lui-même qui était fait, dans l'esclavage, qui était en l'année 1643, histoire long en pile, mais m'a regardé moi Simka et couvrir bien pour. Et tout ça est fait l'an 20 mai 1743. Tu me regardé moi Simka et bien entendu prendre pour vous. Excusez-moi. Et très important pour nous vraiment vérifier histoire là l'argent que nous recevons de quelques mots. Ouais, l'argent que nous recevons de quelques mots. Nous besoin de vérification de l'histoire là en pile. Tout ça est fait en 1743. Et là tout ça est fait tout ça bien entendu il était un parrain qui était les Pierre Baptiste qui était montré qui t'a montré quelques mots français, ok? Et puis là, il commence à être là au service de l'Église catholique, parce que Formdou, Toussaint est catholique, ok? Il a commencé à avoir une petite connaissance de latin, mais il n'a pas jamais assez vraiment pour le fluent, ok? Pour le capable de faire bien. Mais il a assez pour le lire et écrire. Eh bien, il était affranchi à l'âge de 33 ans en 1776. OK. Et puis en 1782, il épousait Suzanne Simone Baptiste. Suzanne Simone Baptiste qui semble-t-il c'était la cousine ou la fille de son parrain Pierre Baptiste. Eh bien d'après ça il dit Toussaint, mais ça sont bagages que nous pas connaît bien longtemps après le avant les mourir que il était gain 16 timon avec plusieurs femmes mais seulement et 5 là-dedans qui étaient survivre parce que il y a 11 là-dedans qui étaient mourir avant monsieur mais nous pas contre tout timon tout saint au seul bagage nous était contre 3 timon légitimes que le gain qui devient Placide qui devient adopté qui devient l'ouverture OK Placide l'ouverture mais sans Placide c'était premier petite Suzanne que le fait avec un certain Séraphin Leclerc qui était un mulâtre et puis les deux fils de son mariage avec Suzanne étaient Isaac et Saint-Jean Isaac l'ouverture et Saint-Jean l'ouverture. Mais semble-t-il que Toussaint a une fille avec l'union pour un mariage avec une certaine Cécile. Et premier petit ça, c'est Marie-Marthe Toussaint. Now, you know bagay qui parle intéressant avec Marie-Marthe Toussaint. Bagay ça, très intéressant. You know bagay qui parle intéressant avec Marie-Marthe Toussaint, c'est que Marie-Marthe Toussaint est mariée d'abord avec... avec un certain Philippe Jasmin Désir. Philippe Jasmin Désir, ça, pas fait un peu de temps marié et puis il vient mourir. Après ça, il vient marié avec un certain Janvier Dessalines. Janvier Dessalines, ça, c'est un noir libre. Et noir libre, ça, il était acheté un esclave, l'homme Henri Duclos. Et esclave, ça, qu'il était acheté, c'était Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques, t'es signé Jean-Jacques Duclos parce que papa Jean-Jacques était en prend signature de. Et Mathieu qui était le Duclos. Par conséquent, le Jean-Jacques vini esclave de Janvier Dessalines, qui était Marie-Marthe Toussaint, la fille de Toussaint, eh bien, Jean-Jacques Duclos. Jean-Jacques Duclos, Toussaint lui-même qui était préparé pour le faire, Ndekadi, l'abolition de l'esclavage, pour le mettre tout le monde en liberté, eh bien, Beaufils a mettait Dessalines en liberté à peu près 2 ans plus tard, après que l'achetel, et puis il était tout ballon Dessalines, c'est ça fait Jean-Jacques Duclos vint Jean-Jacques Dessalines, et c'est Jean-Jacques Dessalines que nous connaissons depuis longtemps. Et c'est une raison qui fait que Dessalines avec Toussaint, il était très proche.
yo te vin gen ti chama entre yo c'est après mais yo te très proche sous bien gardé là tout développement révolution et tout ça était toujours gonsé le monde autour de lui qui était vraiment famille de kadi ou te gagnen Dessalines qui était très près déjà qui était très proche lui et puis ou te gagnen parce que il devient une sorte de mentor pour Dessalines. Eh bien, ou te vin gen après que le te vin gen Paul Louverture qui frère, il te vin Charles Belair qui te neveu et il te gen l'autre oncle encore qui était là et tout le monde sa yo, c'est-à-dire moun sa yo te mette autour de lui comme des généraux de division et de brigade. L'armée que le te vin gen, et puis c'est après longtemps que le te vin prend Christophe comme un monde de confiance tout et c'est ça fait ou te gagner sorte de général ça autour de lui sous les livres d'histoire ou après que c'est monde ça qui était toujours autour de tout ça et c'est peut-être ça que Dessalines était toujours très considéré tout ça semblant papa pour lui. OK, et bien c'est dans ce sens ça ou vin gagner toute bagarre ça va développer mais le regarder cérémonie bois caïman, est-ce que vraiment c'est lui-même qui aboutit à ça tout ça avec Dessalines, avec Christophe, avec responsable qui pour faire? Et on t'a dit pas vraiment parce que là bien regardé monde qui était leader premier révolution t'est faite là, là regardé Biassou par exemple. Et bien qui histoire Biassou? Biassou t'est arrivé long époque côté leur bataille a persisté. Ou vin gagnen que en 1794 le kounya yo voye commission et français commission de kadi française yo commission de France yo yo voye des commissaires vin kounya négocier pour voir si yo ka mette Saint-Domingue sous bon pied et des commissaires yo vin trouver kounya un bagay souterrain que yo pas anticipé parce que yo vin voir terrain son te glissé que lié parce que ou gagnent colon yo cap chercher indépendance et pour gagnent kounya esclave déjà l'en mitant en insurrection parce que de temps en temps kounya ou gagnent esclave cap révolté révolution continue mais pas de gagne ti révolution pas de gagne révolution et ça encore été metté à tête tout bon bataille qui te gagnent kounya c'est une série de bataille kounya là pour la France kembe tout territoire que le gagne yo espagnol yo kounya yo te besoin kembe territoire et tout. Par conséquent, ça la France a besoin de faire. La France a besoin qu'on y a là, prend territoire qui l'en met espagnol, pendant que colon yo même y a évité anglais pour qu'on y a vienne indépendant. Qu'on y a ou la France qui prend en deux du feu. Eh bien, le roi yo prend en deux du feu, yo vin décider que, puisque tout ça a négocié tout le temps pour la liberté des esclaves, yo vin commencer qu'on y a servi à tout ça. Et puis, c'est comme ça tout, tout ça qu'on y a commencé à monter en grade. Tout ça qui était et qui était commencé comme un médecin feuille en Babiassou pour te faire partie de groupe monsieur Sayo qui était vle bataille, il pensait en tête que ta bataille pour la liberté des noirs, mais yo pas ta bataille pour la liberté des noirs. Yo ta bataille pour tête yo. Le tout c'est ça, tout c'est qui ta bataille pour la liberté des noirs. Le coup ni a commission paraît en 1794, li mettait liberté générale des esclaves. Eh bien, ça t'est fait colon blanc yo. Commencé trembler et bien il leur les anglais au secours et bien kounia ou vin kounia gagne Toussaint qui campait kounia là qui a metté anglais dehors la Port-au-Prince metté anglais dehors la folie liberté qui était les fort dauphin et puis kounia là qui a monté kounia la Santo Domingo contre Biassou avec Jean-François qui était eux-mêmes qui était monté avant ça vin faire massacre et bien kounia Toussaint a bataille à Biassou le gagne li bataille avec Jean-François li gagne. Eh bien, la craser, monsieur Sayo, le Espagnol a commencé à perdre en pile bataille. Kounia a fait un traité avec Français. Et puis, à travers le traité, il a cédé Kounia Santo Domingo, la partie espagnole, aux Français. Le cédé partie espagnole aux Français, Kounia là, Biassou avec Jean-François, yo vinnwe que puisque monsieur Sayo comprend, c'est bah, pas yo d'apprécier, yo connaît, ça a cherché l'en français, yo pas besoin de ni. Ok, yo te essayé, yo pas besoin de ni. Espagnol qui doit te get en bas au gros grade, yo te général, etc. Eh bien, yo vin mettre un bagarre en tête, yo dit bon, yo gen esclave, yo gen gros grade, yo gen l'argent, kap vin jwenn yo. Yo pensé que leur kounya là, yo retraité avec Espagnol. Yo a vin grand passion. Eh bien, effectivement, c'est ça, yo te fait. Biassou lui-même, yo essayé voyer deux monsieur au Cuba. Cuba pas voulait accepter parce que Cuba vin connaît que monsieur est troublemaker. Ça veut dire y a bail problème. Par conséquent, le pas voulait qu'embé au Cuba,
Kounia Biasou dit ben lui-même l'a chapé pour lui pral joindre espagnol qui en Floride qui en Floride parce que l'époque ça Floride était en colonie espagnole et bien lui est en Floride et bien lui comme déjà dit il est à l'école et puis il continue à rester dans milice qui était gagné en Floride là il continue balcob etc parce que c'était en colonie que le et Jean-François lui-même même qui était gagné des ambitions supérieures et bien monsieur décidé qu'il même n'est pas en Floride il décidé retourner en Espagne parce que bon c'est général lié son général espagnol que lié et bien là en Espagne le livre en Espagne ça monsieur dépassé pas ça le livre en Espagne et bien monsieur débarqué en Cadiz Cadiz c'est port par exemple côté Christophe Colomb était quitté pour venir découvrir l'Amérique qu'il y a même monsieur qui sort en Afrique qu'il y a venir qui venait en Haïti à ce domaine à cette époque et bien qu'on y a le monsieur qu'on y a retourné qu'à 10 et bien l'heure est tombée yo prend monsieur comme si c'est prisonnier non seulement yo prend comme prisonnier yo retire grade yo ça veut dire que yo pas capable en pension comme officier et puisque Jean-François lui-même qui était tête qui était général mon cher tout petit comme monsieur de gagner c'est les mêmes lié des familles vivent sous lui et puis l'autre monsieur il par contre ça devenu lié des quelques là d'ailleurs qu'il était capable et bien c'est comme ça vie monsieur fini yo pas jamais connait côté monsieur passé yo connait yo fait connait que peut-être il mourit dans les années 1803 ou 1805 et c'est tout ce que connait de lui Biasou mourit en 1801 so c'est comme ça trois monsieur ça a commencé révolution en bas Bookman yo Bookman fini tout et mais trois monsieur ça a fini ça veut dire trois leaders révolution ça a fini ça veut dire révolution ça a fini et c'est une bagarre que en pile monde pas vle ouais mais obligé qu'à ouais réalité à jalier parce que gien pile monde qui ouais histoire comme continuité et pourtant c'est pas comme ça bon Dieu fait bagarre et c'est ça fait n'a regarder histoire d'Haïti du point de vue de Dieu. Et mettez moi tout qui j'aime mon Dieu servir lui-même. Le bon Dieu a servi en monde, il servi à voir net juste à seul pas qu'à servir à il pas qu'à servir à voir encore. Imaginez au bon Dieu t'es quitté révolution continuer avec des gens qui pas même intéressé la liberté. Mon tankou Biasou, Jean-François, Jeannot, etc. Bon, qui ça révolution ça t'a devenu? Parce que là bien regardé monsieur pas même des convictions. Côté de l'eau couler puis frère c'est là yoyé. Et je dis à ou ka ouais même sorte de Biasou ça yo à vivre la société haïtienne non. Même sorte de Jean-François ça yo à vivre la société haïtienne non. Son c'est de monde depuis yo capable vraiment bien manger bien boire. Et ben yo pas connaît sa rele nation, yo pas connaît sa rele pays parce que bagaille pays avec nation, ça c'est bagaille qui garde ou même qui pop pour eux même depuis au bien manger bien boire, depuis famille à occuper, yo pas besoin qu'on en ait encore parce que Biasou te gagne esclave là avec yo. Je me sens te gagne esclave là avec yo. Yo y a la ni ça ou te gagne qui te libre ni ça te esclave et puis yo pas de jambe travail pour esclavage tout bon yo c'est on équipe opportuniste na ou quand on dit ah mon cher on pas capable parler moun yo mal comme ça parce que yo te fait partie de la révolution même si yo pas des héros de l'indépendance ou même si yo te des zéros vous comprenez on pas capable parler de quoi mais on capable parler de yo comme ça parce que monsieur ça c'est à dire c'est eux même qui te fait révolution ça faut comprendre c'est eux même qui sorti en cérémonie bois caïman c'est eux même qui te fait première insurrection ça qui mettait tout du feu ça etc. OK qui boulait assez pour te faire premier gros insurrection et il pas marché il était échoué et c'est une bagarre par exemple que il y a plein de monde peut-être qui n'est pas d'accord avec moi sur ça parce que monsieur yo t'est échoué faut nous garder le Jean lié à yo t'est échoué bien entendu bon Dieu pour lever on sait de certains monde qui pour le prendre ça pour organiser parce que bon Dieu lui-même c'est lui-même songez bien bon Dieu pas jamais aimé l'autre monde prendre gloire lui c'est lui-même qui pour gagner gloire de tout ça le fait imaginez monsieur ça c'est gloire yo t'aimé seulement et gloire yo aimé parce que y aller depuis attendez on petit uniforme sur yo qui général et puis on penser on paquet à faire et puis attendez même monde qui met uniforme sur pas prendre pour rien et bien c'est même gens gagne aujourd'hui par exemple ou gagne doit paraître ou je n'en sais de étrangers qui paraît
yo sorti là côté yo sorti a et puis yo mettez un tel premier ministre yo mettez un tel ministre président on président te doit faire un bon bagage il besoin faire un bon bagage il pas qu'à nommer personne c'est étranger ou avec oligarque qui pour mener au monde et bien ça passe leur fin monter collet ou contre après ça ou honte parce que c'est comme ça ça fait parce que bon Dieu lui-même c'est lui-même qui mettait autorité leur jeune c'est monde qui était même monde qui met là le retire tout. Et là, c'est un monde qui met tout. Ou pas gain autorité de Dieu. De vous pas gain autorité bon Dieu. Ou pas gain backup bon Dieu. Et bon, pas qu'à camper. Parce que fondation tout bagage, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui mette autorité. C'est bon Dieu qui mette nation. C'est bon Dieu qui mette qui la nation a commencé. C'est bon Dieu qui dit qui est-ce qui prend dans la nation. C'est bon Dieu qui mette frontière nation. Eh bien, si c'est bon Dieu qui fait tout bagage, c'est sous compte bon Dieu pour d'ailleurs. C'est autorité bon Dieu pour chercher. Eh bien, tout le monde qui cherche autorité bon Dieu protège. Di kembo l'on place et personne pa ka déplacer ou. Sou fon erreur peut-être, bien entendu, ou mouri peut-être erreur pa ou. Mais depuis ou respecter bon Dieu, ou respecter ligne bon Dieu, eh bien depuis bon Dieu met ou en côté, pa gen moun ki ka déplacer ou. OK? Nous par contre qui erreur président Jovenel de fait qui fait li déraciner parce que on garantit ou 100%. Si président Jovenel Moïse te continue à poursuivre pour les APC ba justice pour l'APC faire justice pour peuple là pour l'APC même s'il était levé contre oligarque pour le bataille depuis c'est injustice là parce que oligarque pas veut dire injustice on comprend on monde doit grand pile l'argent nous relé l'oligarque c'est vrai mais monde doit grand pile l'argent mais il pas gain l'argent pas des moyens injustes mais depuis mon levé c'est pas des moyens injustes il gain l'argent bien entendu président s'il est capable de faire un bagage comme ça faut lever depuis le lever contre lui il a toujours joindre backup bon Dieu pas jamais quitter mon ça tomber ça me garantit ça 100% et bien c'est peut-être ça n'a pas étudié histoire ça et bien là vinn garder kounia là ou vinn gagne et là vinn gagne kounia avec l'autre leader qui a venu yo ou vinn gagne Toussaint là Toussaint kounia a commencé c'est lui même qui a parlé et en faveur des noirs parce que monsieur Devin tout non porte on sort de porte et parler et pour les noirs depuis septembre 1791 monsieur était commencé et bien l'a commencé à faire ça bien entendu monsieur Devin un leader naturel et puis l'a commencé qu'on a bataille pour la gagner toute bataille contre les anglais et contre les espagnols et bien Devin établi qu'on a là comme un leader de révolution et puis c'est le ça qu'on y a des salines viennent passer en bas monsieur puisque les salines étaient toujours des gars dit respecter monsieur c'est le qu'on y a tous s'est sorti en bas Biasso et puis il commençait qu'on y a à bataille non seulement contre Biasso contre Jean-François contre les anglais et bien le ça des salines était quitté Jean-François Rapillon pour venir mettre colle en bas tutelle Toussaint et puis il a commencé qu'on y a battre ensemble il vient en lieutenant de Toussaint en lieutenant vraiment de qu'a dit aimé et respecté par Toussaint et puis que Toussaint t'ait fait confiance tout en pile confiance et bien c'est comme ça bagaille continuer n'a pas été là parce que Noël lui a avancé et pour si gagne un monde qui t'ai gagné pour si gagne bonsoir et moi ouais bah mais c'était non tout le monde qui peut-être monter live là bonsoir et ou même qui peut-être a regardé ça Kounia qui t'a rien poser une question ou bien va poser question sous live là ou bien ou reler là et conférence ligne et pour poser question et pour l'instant n'a quitté là et n'a pour retourner la prochaine fois pour nous continuer avec Kounia là et les leaders de la révolution et qui j'ai été commencé monter pour venir comprendre qui Jean Bagayo a passé mais jusqu'à présent et je dis à qui ça nous est que cérémonie bois caïman que ban nous dans l'histoire d'Haïti noir Jean le dépassé et pas comme ça vraiment que lié et m'espère que je dis à ou un but assez de la cérémonie du bois caïman pour connaître que c'est pas cérémonie bois caïman vraiment qui était ban nous ça nous gagne je dis à et c'est une bagaille que peut-être ou pas tant de facile c'est loin dans l'histoire ou bien fouiller pour qu'on ait vraiment ce qui a passé. Et bien, m'a regardé m'a attendu si pas gagne monde qui a posé question. Bien entendu, nous pour terminer et la prochaine fois n'a gagne
continuation ça pour nous montrer toujours qui j'ai révolution à continuer n'a pas continué prendre les années 1791 et puis n'a pas continué avec de toutes ces ouvertures nous pourrions parler de toutes ces ouvertures de Dessalines qui j'ai progrès à fait dans combat qu'a fait yo ou pour quelqu'un Henri Christophe qui j'ai vienne sur la scène et puis Pétion vienne sur la scène dès qu'a dit à la dernière minute nous pas parler tellement de Pétion et tout à fait. Mais nous parlons montrer qui est un leader révolution vraiment parce que pour une révolution vraiment révolution ça allait pour commencer et c'est ça moi les révolution haïtienne pour commencer et il pour commencer lorsque vraiment gagne une idée qui dit que bon nous besoin et liberté OK liberté et tenez bien ma pauvre j'ai comment pareil mais dis-nous toute bagarre qu'on y a mais nous pouvons parler de liberté que tous ces a cherché et à partir de là nous pouvons vraiment connaître est-ce que vraiment tous ces t'a visé en Haïti qui est indépendante ou bien Saint-Domingue qui est indépendante est-ce qu'elle t'a visé ça tout bon eh bien analyse nous pouvons le faire nous qu'a dit au long de la route pendant que n'a continué histoire nous. En attendant, que bon Dieu bénisse et que m'espère que l'histoire ça a été aidé en pile et partagez-les même le film garder live là ou que doit partager avec l'autre monde qui t'a rien connaît parce que c'est très important que nous connaît bagage ça plus monde qui connaît plus la aider vraiment on série de monde comprendre plus ce qui a passé et bien entendu il y a monde qui pas rien mais que histoire mal passé parce que tellement il y a monde qui chéri cérémonie bois caïman forme bien dit tout majorité moun ki chéri de ka di cérémonie bois caïman et c'est ça qui fait cérémonie bois caïman vin tourner tellement on bagay important pour nous dans l'histoire nationale c'est parce que moun sa yo attiré vers le vaudou yo attiré vers l'idolâtrie et yo pensé que idolâtrie ça c'est lui même qui pral aider Haïti retourner sur la scène pour célèbre encore et pourtant c'est pas déjà idolâtrie qui t'a fait que Haïti t'est développé c'est pas idolâtrie qui t'a fait Haïti qui t'a fait Saint-Domingue t'est riche OK colon yo pas colon yo qui t'a fait Haïti venir riche là attendez bien c'est souhait esclave yo t'est prend attendez souhait esclave yo c'est pas religion esclave yo t'est prend non c'est souhait esclave ça veut dire travail esclave yo t'est prend pour faire colonie venir riche. Il pas même quoi dans ça est t'a fait au contraire Damas là lui-même Dalmas qui écrit m'te ka dit sous bois caïman qui fait nous venir joindre jodi a lui-même ça fait écrit c'est pour te critiquer bois caïman qui Jean c'est un phénomène qui montrait qui Jean noir là les superstitieux et superstition vienne rendre les stupides pas qu'à faire rien effectivement si c'était en superstition blanc lui-même il était quoi. Eh bien, il t'a quitté noir là, rete avec superstition, il t'a quitté noir là travail, il t'a quitté noir là célébrer vaudou tout le temps. OK? Eh bien, c'est pas de vaudou, c'était travail noir là qui t'a fait blanc, vin riche. Eh bien, c'est même travail noir ça, je dis à si nous fait travail là, n'a pas capable gain moyen tout bon parce que c'est seul moyen que bon Dieu mettait pour moun gain l'argent, c'est pour capable mettre en sorte de créativité dans tête pour capable travail à Méon, parce que même bon Dieu qui bon Dieu, il n'est pas seulement créé, mais il était fait. Soit regardez bien dans Genèse chapitre 1er, ou après que bon Dieu dit que firmament fait, et puis après ça, il dit comme ça, il met les mains, il fait firmament. Mais il était juste parler, parce que grand pile bagay, il y en a qui parle, et puis au fait. Mais gen bagay bon Dieu met men la donne et puis c'est après travail ça li jou après 6 jours ça li jou li fin travail li pral reposer le 7e jour. La loi de la création c'est la loi du travail. Pas gen on bagay qui existait dans le monde sans que c'est pas ton monde qui te met men qui pou travail la donne. Et c'est ça qui fait monde qui pas croire en bon Dieu dit ou c'est yon insensé parce que pas gen on bagay qui existait ou même la kap gade m'la. Si ou gade autour de ou alléluia. Si vous regardez autour de vous et puis vous regardez un bagage, n'importe son moyen son monde qui te fait. N'importe son moyen bon côté ou son monde qui te fait.
c'est la loi de la création, c'est lui-même que bon Dieu mettait pour capable gain moyen. De pour utiliser la loi de la création, c'est la loi du travail, eh bien wap gain moyen, wap capable riche. Mais c'est là ça, par exemple, bon Dieu dit, mais gardez nature la voix, pied bois, c'est pas un monde qui fait, si c'est pas un monde qui fait, c'est bon Dieu de faire. Tout le bagaille, c'est pas un humain de faire, c'est bon Dieu de faire. Et bien c'est ça qui fait. Je dis, hein, si nous pas retirer superstition ça dans nous-mêmes, et puis nous croyons en bon Dieu ça qui t'est créé, pour nous capables de faire même genre avec lui, parce que lui créé nous l'image lui. Ça veut dire lui-même, lui t'est créé, et puis lui fait, nous-mêmes, tout nous capables de créer, et puis nous fait. Si nous créer, nous fait, nous capables de sortir dans sa nouillère. Ce n'est pas voler moun, kidnapper moun. Ce n'est pas le travail pour l'État. Pour qu'on qui j'en prenne l'argent moun. Et pas ça qui travaille là. Le travail là, c'est mettre mais met créativité. Et puis le monde crée un bagay. Cherche pour est-ce qu'on crée un qui pi bon. Et pas le tout yel. De façon ou même. Pour un bagay médiocre qu'on fait. Et lui même qui passe. Ce n'est pas comme ça. C'est travail. Travail dû. Travail bel. Et puis comme ça. Ou capable de développer et puis on l'autre monde a gardé à fond bail qui plus belle comme ça ou même tout à chercher fond bail qui plus belle encore et puis comme ça on a progressé ensemble. Eh bien allô 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 et bien content que nous t'es capable ouais tout ça OK. Well bien entendu et m'te ka dit connaissance sans là c'est juste c'est juste que on sait de monde cacher faire couvrir ça même j'ai cassé faire couvrir ça pour pas qu'à sortir dans ça nouyer aujourd'hui hein et bien son paquet de monde qui cassé faire couvrir ça pour nous pas qu'on histoire nous de sorte que une fois qu'on pas qu'on histoire ou pas qu'à développer parce que sous pas qu'on compte sortir ou pas qu'on compte privé parce que gain de fois histoire c'est recommencer recommencer ou pas dans les gombay qui dit si ou pas qu'on histoire ou toujours préparé pour refaire même genre encore. Et bien fois ça, et bien nous pas quitter bagage ça arriver en bas surveillance de nous-mêmes et bien nous-mêmes nous décider pour nous ouverger chaque haïtien à travers et histoire ça que n'a développé à travers le son ça que n'a fait de façon pour qu'on vraie histoire là et puis bagage ça yo là et pas que yo caché gain même qu'il a internet là bon même m'acheter quelques livres bon gain livre même pas même besoin acheter c'est le me faire chercher dans internet là moi yo mais ou même soit aller le chercher tout ou joindre yo et c'est ça qui fait me besoin partager bagage ça avec vous pour qu'on ait la vraie histoire parce que là qu'on a vraie histoire je ouvert et pour venir voir que tout ça est bon comme mentir c'est pour capable kembo en bas. Eh bien, je dis à nous dire, non, on a monté à la surface, nous pas nager en bas de l'eau encore, on a nager à la surface pour nous arriver côté pour nous arriver. Au contraire, nous pas même nager, nous pouvons marcher sous l'eau même dans Jésus depuis une quinzaine nous sous Jésus. Eh bien, c'est tout ça que nous avons pour vous, nous bien contents. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu conserve, que bon Dieu protège vous même avec famille. Jusqu'à la prochaine, nous disons bénédiction. Eh bien, on nous prie. Seigneur, nous disons merci de ce que vous te permettez que nous sommes capables de faire ça. Que ou même, Seigneur, ou glorifie à travers cette affaire. Nous disons merci pour Saint-Esprit qui t'a dirigé nous. Nous disons merci pour Saint-Esprit qui a dirigé chaque monde qui t'a gardé et qui est pour la garder après encore. Et nous demandons, Seigneur, que le monde soit capable d'ouvrir l'esprit, puis de prendre la vérité, puis de comprendre, marcher dans l'esprit. Et même si il y a des gens qui ouais histoire, qui tendent des histoires, qui fâchent, qui fâchent de ce que. Parce que il y a des gens qui captent des vérités et puis qui content. Mais il y a l'autre monde qui a de vérité et qui a fâché parce que ça a été connu, il y a pire mal que vérité. Et bien, Seigneur, on a demandé à toucher pour être capable de transformer, pour que vous transformer et puis accepter vérité pour là. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Et bien, que mon Dieu bénisse jusqu'à la prochaine. Naoué encore. Amen.